Regardez bien. Comment ça va? On est sur Facebook, j'ai des amis, n'est-ce pas? Regardez là. J'ai 5 000 amis, regardez là. J'ai 5 000 amis. Les 5 000 amis là, je vais cliquer sur ça. Mais c'est un réseau. C'est un réseau, n'est-ce pas? Le premier, c'est là. Voilà mon équipe, mon downline. Voilà mon premier filleul à gauche. Voilà mon deuxième filleul à droite. Lui là aussi, il est lié à des gens. Regardez là. Quand on prenait cette dame, elle est liée à des gens. Si vous cliquez sur elle, on dit, on a 396 amis en commun. C'est-à-dire que parce que je suis connecté à elle, je suis aussi connecté à 396 amis, n'est-ce pas? Lui là, on dit que on a 1042 amis en commun. Lui là, on dit que on a 1252 amis en commun. Ça veut dire quoi? C'est la même chose ici. Quand vous cliquez sur Downline, regardez Downline. Voilà, regardez Downline. Moi, je mets la calculatrice pour cacher les mails de mes membres. Si vous cliquez sur Vision 2021, il y a du monde en bas de Vision 2021. Si vous cliquez sur Nice Joyce, il y a du monde en bas. Si vous cliquez sur celui-là, Leader, il y a du monde en bas. Vous comprenez? N'est-ce pas la même ici? Quand vous cliquez sur cette personne, il y a plus de 1 000 personnes en bas de cette personne, etc., etc. Tout ça là, c'est du réseau. On appelle ça online networking, établir un réseau. C'est pour cela que chaque fois, CloneOne se vante en vous disant que, bon, j'ai tel nombre de personnes, j'ai tel nombre de personnes, vous comprenez? Ils aiment vous dire ceci, regardez ce qu'ils vous disent. Ils aiment vous dire ici que, dans les nouvelles, pourquoi chaque fois, ils parlent de, on est sur Twitter, hein? Pourquoi ils font ça? On a atteint 650 000 membres à travers le monde. Vous comprenez pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont en train d'établir un réseau mondial. Pourquoi chaque fois ils se vantent, ils disent, allez, sur Facebook, likez nos trucs. Pourquoi ils font ça? Ils font ça parce qu'ils sont en train d'établir un puissant réseau mondial. On était à 600 000, récemment on est devenu 650 000, on va atteindre bientôt 1 million, 2 millions, 3 millions, parce que leur but, c'est de créer un réseau mondial, mesdames et messieurs. On appelle ça du online networking. Maintenant, ils font du online networking pour atteindre la clientèle. Il dit que vous ne devez pas vous tromper sur CloneOne, qui n'est pas une compagnie de jeu, mais c'est une compagnie qui utilise le online networking et les nouvelles méthodes d'acquisition de clients, telles que le système d'affiliation. C'est écrit là, including affiliate system, pour créer une base de clients. Je vous ai demandé tout à l'heure sur la plateforme de Wikipédia, qu'est-ce que le système d'affiliation? Je vous ai démontré comment CloneOne fonctionne. Affilgo et Mixer sont les plateformes d'affiliation qui sont intermédiaires. Auparavant, nous, on croyait que c'était une affaire que ce sont les partenaires. Leurs partenaires, ce n'est pas Affilgo.
Vous comprenez? C'est via Afilgo et via Mixer qui rentrent en contact avec leurs partenaires. Autrement dit, ils vous cachent les vrais partenaires. Voilà, ils vous cachent les vrais partenaires. Vous ne pourrez jamais voir les vrais partenaires qui payent l'argent. Pourquoi ils ne veulent pas vous montrer? Parce que c'est leur business. Maintenant, autre point. Crowd One Customer, quand les clients sont retenus, on les introduit chez les partenaires extérieurs. En faisant quoi? Comment ils introduisent les clients chez les partenaires extérieurs? Mais via Afilgo. Par exemple, quand vous cliquez sur Afilgo, par exemple, ici, regardez ici, je vais vous démontrer. Pourquoi on tombe directement ici sur, et puis je suis déjà logué dans mon compte, regardez, je suis déjà dans mon compte, et puis je mets Affiliate. J'écris sur Affiliate. Si j'écris sur Affiliate, je vais vous montrer normalement le nombre de comment on appelle, les partenaires affiliés. Et ici, je peux voir aussi mon downline aussi également. J'écris ici, je vais vous montrer mon downline. Vous comprenez? Vous voyez? Et regardez ici, je ne vais pas montrer les mails des gens, mais si on essaie de descendre, regardez, voilà mon truc qui est là, et les gens sont en dessous de moi. Mon parrain est là, regardez ici, les gens sont en dessous de moi, regardez ici. Vous comprenez? Attends, je vais faire un peu comme ça. Si vous voulez, voilà le réseau qui est là, voilà affilié. Tout ça, c'est mon réseau, n'est-ce pas? Regardez ça. Je fais passer rapidement pour ne pas pour cacher le mail des gens. Mais voilà le réseau qui est là. Est-ce que vous comprenez? Et ça, c'est ceux-là qui s'y jouent. Moi, je gagne de l'argent. Vous comprenez? Ce n'est pas. Comment vous appelez ça selon vous? C'est de l'affiliation. Et pas l'affiliate. L'équipe que j'ai. Même équipe que j'ai dans Crawl One, là. Même équipe, là, c'est ici. Voilà ça qui est là. Pourquoi ils font ça? Voilà ça qui est là. Voilà Top Financier là. Vous voyez, non? Bien, on avance. Ok, donc on continue, excusez-moi pour le silence. Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'ils ne sont pas une compagnie de jeu, mais c'est une compagnie qui génère de la clientèle pour ses membres. Ok, bien, on continue. Je rectifie, s'il vous plaît. Ce n'est pas une compagnie de jeu, mais c'est une compagnie qui génère de la clientèle pour ses partenaires. Et donc, des partages, des commissions sont... le partage est fait. Et quand le partage est fait, la compagnie partage aussi ses commissions qu'elle elle se fait avec ceux qui l'ont aidé à construire ce réseau via lequel des partenaires reçoivent des clients. Voilà un peu ce qu'il faut comprendre. Okay? Nous tirons donc vers la fin de notre présentation. Notez-le, cette vidéo vise à clarifier et à corriger les termes, les mots et expressions utilisés par erreur ou par abus de langage sur Crowd One pour une bonne compréhension. Nous voulons vous aider à comprendre. J'ai fait des vidéos, il y a des choses que j'ai dites. Il y a certains leaders qui ont dit des choses. Cette vidéo vient pour clarifier beaucoup de choses. Donc, on va donc passer encore quelques minutes ensemble où je vais répondre à certaines préoccupations. Crowd One, est-ce une compagnie américaine ou suisse? Non. Vous avez entendu parler que c'est une entreprise américaine. Au début, hein, beaucoup de leaders l'ont dit. Ils l'ont dit, mais ce n'est pas de leur faute. C'est ce qu'on leur a dit. Mais c'est faux. Et à un moment, on doit le corriger. Moi aussi, en voulant dire que c'est une entreprise suédoise, parce qu'on est suédoise. Quand on prenait le fondateur, il est suisse. Quand on prenait le CEO, Jonas, il est suisse. Le CEO, il est suisse, c'est-à-dire le directeur général est suisse. En voulant dire, on dit Suédois en anglais. OK? Regardez ici. Regardez ceci. J'ai fait des recherches avant d'aller à Crowd One sur ce monsieur. On dit, il est suédois, Suédois. Moi, je me suis dit que Suisse, là, Suédois, c'est Suisse. Donc, dans certaines de mes vidéos, vous avez entendu Suisse, une entreprise suisse. En fait, le fondateur, il est suisse.
le, comment on appelle, Monsieur Johan Sahel aussi, il est suisse. Donc, allez d'ailleurs en Suisse, il y a un bureau en Suisse, en Suède, pardon, excusez-moi. Je suis en train de reprendre les mêmes bêtises. Donc, excusez-moi. Donc, je disais que le fondateur, il est suédois et le directeur général que vous voyez là, il est aussi suédois. Donc, au début, quand il faisait les vidéos, en voulant traduire, en voulant dire Suisse, en voulant dire Suède, j'ai dit Suisse, il disait Suisse. C'est plus tard, d'ailleurs, quand j'ai été au Ghana avec le leader qui était là-bas, il dit c'est une entreprise suédoise. Je dis non, une entreprise suisse, non, ce n'est pas une entreprise suisse, mais c'est une entreprise suédoise. Mais il y a eu cette confusion-là que j'aimerais aussi préciser ici. Donc, excusez, si vous avez entendu parler d'entreprise, compagnie américaine qui fait de la formation, ce n'est pas vrai. Ou suisse, une entreprise suisse, ce n'est pas vrai non plus. C'est une entreprise suédoise. Deuxième point, est-ce que Crowan est une compagnie de crowdfunding? Crowan n'est pas à 100% une compagnie de crowdfunding, mais Crowan emprunte quelques points concernant le crowdfunding. Par exemple, le crowd marketing, le financement aussi. C'est-à-dire, c'est vrai, notez ceci, Crowan dit que les gens paient de la formation. C'est vrai. Mais plus loin, vous allez vous prendre aussi, vous allez vous rendre compte aussi que Crowan dit aussi que le prix, la valeur des honoraires monte au fur et à mesure que des gens prennent des packs de formation. Ça veut dire que, cela veut dire donc que même quand les gens font prennent des packs de formation, il y a un montant qui est là, qui est consacré, hein, qui est consacré à, qui est consacré qu'on ne touche pas, qui va faire monter le coût des honoraires. Ça aussi, je n'invente rien. Je vous le montre. Vous dites que si les gens font beaucoup de prennent des packs de formation de tel montant, de tel montant, c'est ça qui fait que les honoraires prennent la valeur. Mais cela veut dire que c'est une forme de financement participatif, vous comprenez? Donc, c'est un peu du crowdfunding, mais ce n'est pas à 100% crowdfunding. Or, dans mes premières vidéos, je disais que c'est une compagnie de crowdfunding. C'est vrai, le nom Crowd One en dit long, c'est-à-dire la foule numéro un, crowd, la foule, crowd economy. Donc, en fait, il touche un peu de tout. On ne peut pas dire que ce n'est pas une compagnie de. On ne peut pas dire à 100% qu'ils ne font pas de crowdfunding. Mais il touche un peu de crowdfunding. Vous comprenez? Voilà ce qu'il faut noter sur ce point numéro 2. Donc, ils utilisent le concept crowdfunding dans leur opération. Il faut le noter. Troisième point, une compagnie qui vend des titres ou des actions. On a vu tout à l'heure qu'ils ne vendent pas des titres ou des actions, mais c'est un abus de langage. Mais c'est tout autre. C'est presque ça. Alors, ils disent qu'eux ne vendent pas des actions, des shares. We don't sell shares. Nous ne vendons pas des actions, des titres. Mais nous donnons. OK, ils donnent. C'est ce qu'il faut retenir. Ils ne vendent pas, mais ils donnent quelque chose qu'on appelle honoraires. Vous comprenez? Et des honoraires qui prennent la valeur. C'est ce qu'on doit retenir. Ils ne vendent pas, mais ils donnent. Bien. Est-ce une compagnie de marketing de réseau? Non. J'ai dit ça à des gens qui m'en veulent. Pourtant, je n'invente rien. D'ailleurs, eux-mêmes, ils ne se voient pas comme compagnie de marketing de réseau. Voilà ce qu'ils se disent. Je vous montre encore avec deux preuves que ce n'est pas une compagnie de marketing de réseau. Ils l'ont dit ici, ils sont une compagnie de marketing. Regardez là. Une compagnie, we are. Nous sommes, ça là, ce point-là. Une compagnie de marketing. De marketing, mais surtout le marketing en ligne. Comprenez? Marketing en ligne. Ou bien on appelle online networking. Nous sommes une compagnie de marketing. Ici, en fait, nous sommes une compagnie de formation. Voilà ce qu'il faut dire de CrowdOne. Vous comprenez? C'est une compagnie de marketing en ligne, online networking et une compagnie de formation. Voilà ce qu'ils sont réellement. Mais ça, eux-mêmes, ils vont critiquer la compagnie de réseau marketing. Donc, ce n'est pas une compagnie de réseau marketing. Voilà. Et ce n'est pas parce qu'ils utilisent le système binaire qu'ils sont une compagnie de marketing de réseau. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce qu'ils appellent, comment ils appellent le système binaire? Regardons ensemble. Selon vous, regardez ici, voilà un binaire qui est là. Et pas des affiliés de bonus. Affiliés de bonus, c'est-à-dire c'est un bonus d'affiliation. Et l'affiliation n'est pas le marketing de réseau. Excusez-moi, vous avez du mal à avaler cela, mais c'est la vérité.
La filiation, c'est différent du marketing de réseau. Donc, c'est un système d'affiliation. Mais dans un système d'affiliation, le logiciel du binaire, on peut dire le logiciel du binaire, pourquoi? Parce qu'on veut récompenser qui a envoyé qui, qui a envoyé qui, qui a envoyé qui. Donc, on veut récompenser les gens. Donc, on va utiliser un réseau, un binaire. D'ailleurs, le binaire ici est différent des binaires que vous trouvez partout, où on applique un pourcentage faible sur un pied faible. Ici, on n'applique pas un pourcentage faible sur un pied faible. Donc, c'est un binaire qui est différent. Donc, l'argent que les gens ont eu aussi, c'est de l'affiliate bonus. Et je vous disais qu'ils critiquent même les compagnies de réseau marketing. On va le voir ensemble. Quand vous prenez le bonus appelé affiliate résiduel, c'est-à-dire les revenus résiduels, revenus mensuels, voilà ce qu'ils vont dire. Ils vont dire ici que les compagnies de marketing de réseau, on va traduire ensemble, les compagnies de marketing de réseau très souvent disent qu'elles ont quelque chose, un bonus appelé revenu résiduel. Le problème est que leurs produits tels que les shampoings, les cafés, les vitamines ou compléments alimentaires, etc., ne se vendent pas facilement jour après jour, mois après mois, ou bien ils sont tellement chers par rapport aux produits des concurrents. Ce qui est le résultat d'un revenu non résiduel, c'est-à-dire que la compagnie de réseau marketing ne peut pas assurer vraiment des revenus résiduels mois après mois. Souvent dans les compagnies de réseau marketing, quand on va dans le plan de carrière, on dit si tu atteins tel moment de carrière, chaque mois tu as tel montant. Donc ils disent que c'est faux, que ces compagnies de réseau marketing n'arrivent pas à le faire. Je vais copier, on va coller sur Google, pour traduction. Les gens peuvent me dire, mais M. Kouassi, ce qu'il y a écrit là, c'est qui dit que c'est marketing, qui dit que tu ne parles pas de marketing de réseau. On va traduire ça ensemble. Traduction Google. Moi, j'aime quand les choses sont bien claires, que tout le monde est à l'aise avec. Voilà ça. Les entreprises, la traduction de français en anglais. Les entreprises de marketing de réseau disent très souvent qu'elles ont un revenu appelé revenu résiduel. Le problème est souvent que leurs produits, shampoing, café, vitamines, etc., ne se vendent pas mois après mois et ou sont trop chers par rapport aux produits concurrents, ce qui entraîne un revenu non résiduel. Autrement dit, les compagnies de demain disent que elle peut offrir des revenus résiduels, mais ce qui est faux. Mais nous, nous avons un produit qui se vend tous les jours et qui a, comment on appelle, un chiffre d'affaires astronomique. Donc, facilement, nous, on peut se dire que si nous on dit on peut payer les gens, on pourra les payer. Et donc, voilà ce qu'ils disent. Voilà la traduction. Le bonus résiduel des affiliés est une ristourne directe sur l'argent dépensé dans l'un des produits d'affiliation en ligne proposés par nos partenaires. Ce sont des sociétés bien connues offrant des produits compétitifs en caissier réel, à un excellent rapport qualité-prix, des produits éprouvés, populaires, à un bon prix, indépendant des ralentissements économiques, c'est-à-dire qu'il y a crise économique, pas, ça marche. Et surtout, amusant et stimulant, on peut se distraire avec. La plupart des gens aiment déjà notre produit. Il s'agit d'un phénomène mondial dont le chiffre d'affaires est astronomique et qui augmente chaque année. Donc, pour eux, ils ne sont pas réseau marketing. Et donc, ce que les réseaux marketing n'arrivent pas à faire, eux, ils pourront le faire. Alors, comment pouvez-vous comprendre ça, mesdames et messieurs? N'est-ce pas que ils veulent dire que ce n'est pas du réseau marketing qu'ils font. Qu'ils ne sont pas réseau marketing. Alors, donc, ils ne sont pas réseau marketing, mais ils utilisent le système binaire. Et ce n'est pas parce qu'ils utilisent le système binaire qu'ils sont forcément réseau marketing. Est-ce un système d'affiliation? Oui. Ils utilisent le système d'affiliation. On parle d'affilié bonus, affilié de résiduel. C'est ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, ils sont plus système d'affiliation que système de réseau marketing. Vous comprenez? Dans quel réseau marketing tu n'as pas parrainé puis tu peux te faire de l'argent? Donne-moi la réponse. Dans quelle compagnie de réseau marketing tu viens, tu ne parraines pas, tu peux avoir l'argent? Tu viens à CrowdOne, tu n'as pas parrainé, tu payes une formation, tu donnes des honor rates, tu prennent la valeur, tu peux te faire de l'argent. Et même des gens peuvent se faire plus d'argent que ceux qui ont parrainé des gens. S'il paye, il a des millions de honor rates, il gagne l'argent plus que vous tous, que nous tous. Pourquoi? Il n'a pas parrainé. Mais posez-moi, je pose la question, dans quelle compagnie de l'humain tu viens normalement parrainer au moins deux personnes et puis te faire de l'argent? À CrowdOne, tu peux venir, tu ne parraines pas, tu peux gagner de l'argent. Vous avez parlé ça du réseau marketing?
Bien, système d'affiliation, oui. Dans le ventre de Crowd One, nous sommes des clients qu'ils envoient à qui ils dirigent vers les compagnies extérieures pour créer, pour apporter de la clientèle, signer des contrats, et ces compagnies doivent verser l'argent en Crowd One. Quand l'argent vient en Crowd One, Crowd One partage cet argent avec ses membres. Et c'est ce qu'il y a ici. C'est ce que j'avais expliqué ici, à droite ici. Regardez là. Voilà. J'ai expliqué ça sur ce tableau qui est là. 40% pour ceux qui détiennent les owner rights, 40% pour ceux qui font le réseau en ligne et 20% pour Crowd One lui-même, le partage des commissions. Ça, c'est de l'affiliation, mesdames et messieurs. Le fait d'apporter la clientèle à d'autres compagnies extérieures. Donc, Crowd One est au milieu et nous sommes avec lui. Et donc, en même temps, Crowd One n'a pas de produit, n'a pas de service, n'a aucun produit, n'a aucun service. Ils sont forts en marketing. Ils utilisent leur système de marketing pour attirer du monde. Une fois qu'ils ont ce monde, ils disent aux partenaires, voyez-vous, moi, j'ai des millions de membres. Est-ce qu'ils vont dire bientôt? Moi, j'ai des millions de membres. Vous ne savez pas attirer de la clientèle? Moi, je sais en chercher. J'ai des millions de membres. Avez-vous besoin de clients? OK. En signant des contrats, je vais proposer vos services aux produits à mes membres. S'ils sont intéressés, s'ils doivent payer, vous me versez de l'argent. C'est moi qui vous envoie de la clientèle. On appelle ça de l'affiliation. Voilà leur concept. Sixième point. Est-ce que vous êtes en train de faire de l'investissement d'argent? La réponse est non. On a déjà répondu à ça. Vous payez de la formation, on vous donne quelque chose qui prend de la valeur. Un point, c'est tout. Septième point. Est-ce un système de crypto-monnaie? Non. Mais leur owner right, en termes de capitalisation, fonctionne un peu comme les crypto-monnaies. Mais à un niveau, ne fonctionne plus comme les crypto-monnaies, à partir du moment où les owner rights, la montée de la valeur ne dépend pas de la spéculation. Et ça, c'est important, je vous le montre où ils l'ont dit. Où ils l'ont dit. D'abord, un, par rapport à la capitalisation, j'ai dit oui, ça fonctionne comme les crypto-monnaies. Mais par rapport à la spéculation, puisque c'est l'offre et la demande qui fixent le prix sur le marché par rapport aux crypto-monnaies, ici dans Crowd One, quand on touche ce côté spéculation, Crowd One se démarque, ou le owner se démarque. Et là, en ce moment-là, ce n'est plus comme les crypto-monnaies. Donc, d'abord, voyons en quoi est-ce que la capitalisation fait monter le prix des owner rights. Allons-y voir ça ensemble. C'est-à-dire le fait que les gens payent des packs de formation. Allons voir ça ensemble. Donc, tant que les gens paieront des packs de formation, alors le owner rights va monter. Donc, allons voir ça d'abord. Et puis après, quand je dis que les owner rights, leur montée ne dépend pas de la spéculation, de l'offre et de la demande, on verra aussi également ce qu'ils disent, ils en disent. On est dans notre back office. On va cliquer sur info et puis exchange. Non, c'est pas ça. Info owner rights. On disait qu'on va voir d'abord. On va voir d'abord. Le côté, comment on appelle ça? Comment ça prend la valeur, voilà. Le côté capitalisation, voilà. On va voir ça d'abord, côté capitalisation. Et puis après, on va voir le côté où, voilà, côté capitalisation. Ils disent que, parlons-y, comment les prix des owner rights sont calculés chaque semaine? Ça dépend de quoi? Ils disent que ça dépend de plusieurs variables. À savoir la croissance de l'affaire sur le marché, le réseau. Tant que le réseau grandit, les prix vont monter. Tant que Crowd One, les gens rentrent, le prix monte. Ça dépend aussi des bonus payés, c'est-à-dire la compagnie paye de l'argent aux gens, aux membres, ça dépend aussi de ça. On a payé de l'argent aux membres, ça dépend de ça. Bien. C'est-à-dire ça dépend aussi de la projection dans l'avenir. C'est-à-dire qu'il doit avoir un montant qu'on ne touche pas quand les gens payent des formations. Et puis, on leur donne des owner rights. Donc, par conséquent, il y a un montant qu'on ne touche pas. On a donné tel nombre de owner rights, il y a un montant qu'on ne touche pas qui est là. Et chaque mois, chaque fois que des gens rentrent, il y a un montant qu'on ne touche pas. OK? Par rapport à une vision dans l'avenir. Par rapport à la croissance dans l'avenir. Future growth. Sur du long terme. Sur du court et du long terme. Sur la projection sur le court et le long terme. Maintenant, le type de membership, le nombre de packs qui est vendu. Membership, c'est le pack d'adhésion, les packs de formation. Quels sont les packs qui ont été vendus dans la semaine et dans les semaines? Enfin, s'il y a plus de ventes de titanium que de gold, que de black, que de white, c'est tout à fait normal que cette semaine-là, le prix monte vite. Par exemple, chaque fois qu'ils vont publier la montée des prix, ils vont mettre ce message en bas.
récemment, le 8 novembre, ils nous ont dit que le prix va partir de 1,91 à 1,95. Donc, ils nous disent comment le prix est calculé. Voilà comment ils vont. Donc, quand on vous dit une chose que ça dépend de la croissance du réseau, le réseau croit comment? Qui peut rentrer dans cette affaire sans payer de l'argent pour sa formation? Cet argent-là joue un rôle important. On dit que par rapport à la projection dans le futur, on dit que par rapport au membership, le membership, les années, ce que les gens payent comme en upgrade ou en chose, c'est lié à ça. Vous comprenez? Et donc, voilà en ce qui concerne la capitalisation. Maintenant, en ce qui concerne le, la spéculation, est-ce que c'est lié à l'offre et à la demande? La réponse est déjà non. Mais on va voir ça ensemble. Ici, Crawl One, la plateforme de spéculation où on achète, où on vend des honoraires, n'est pas encore ouvert. C'est pas encore ouvert. Mais les honoraires prennent la valeur. Cela veut dire de toute évidence que la valeur des honoraires ne dépend pas de la spéculation sur le marché qui sera bientôt ouverte dans le mois de février. Comprenez, après le paiement des premiers dividendes, on va commencer donc à permettre aux gens de spéculer. Comprenez, d'autres achètent les honoraires, d'autres vendent. Achètent, d'autres vendent. Vous voulez savoir ce qu'on appelle la plateforme de spéculation? Ce sera quelque chose comme ça, comme pour le Bitcoin là, où on achète, où on revend, d'autres achètent, d'autres vendent. Voilà une plateforme de spéculation que j'aime souvent montrer dans mes vidéos pour faire comprendre aux gens. Voilà. Le Bitcoin, actuellement, il n'y a plus de pièces à donner. La compagnie, enfin, Bitcoin, c'est en ligne et les gens achètent, d'autres vendent. Regardez ici, d'autres peuvent acheter ici, buy, sell. Donc, ça crée deux groupes de personnes. Regardez, il y a des mouvements là, de chiffres là. Pendant que d'autres achètent, d'autres vendent. Pendant que d'autres vendent, d'autres achètent. Bientôt, ceux qui n'auront pas eu l'occasion de posséder des owner rights, comme nous qui sommes les pionniers, alors une plateforme d'expérience sera ouverte. D'ailleurs, on en parle ici, dans Exchange. C'est-à-dire, les membres pourront acheter et d'autres pourront vendre. Comprenez? Voilà. The Crawl One Owner Right is the tool which will allow and the entire group to make money, not only on your membership, on your business, the entire group, all members. Donc, bientôt, il y aura une plateforme de trading. Voilà ça qui est là. De trading. Comment on appelle, des owner rights. Pour les gens, pour d'autres, pour acheter, d'autres peuvent vendre. Prenez cette vidéo comme une vidéo de formation. C'est très important, mesdames et messieurs. Je sais que ça met un peu de temps. On a presque fini, mais c'est important. Maintenant, on dit que ça ne dépend pas. Où est-ce qu'ils l'ont dit? Ils l'ont dit ici clairement que l'évolution des prix ne dépend pas du marché. Ils disent que the owner rights are not depending on how the stock market goes. Le prix des owner rights ne dépend pas de la manière dont le marché se comporte. Est-ce que le marché est en train de plonger? On s'en fout. Est-ce que le marché est en train de partir? On s'en fout. Ce n'est pas ça qui fixe le prix des owner rights. Le prix des owner rights dépend de la croissance de Crawl One sur le marché. Plus la compagnie devient plus forte, strengthen, plus forte, se renforce plus que nous devrons des millions de membres, plus les owner rights vont monter. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc, vous avez tout compris aujourd'hui au niveau des owner rights. Voilà, donc voilà, mesdames et messieurs, vous voyez que ce n'est pas un simple crypto-monnaie. Vous avez compris comment ça marche. C'est vrai, la capitalisation ressemble un peu à ça. Mais quand on parle maintenant de spéculation, non, Crawl One, les prix ne vont pas chuter. Les owner rights, les prix ne vont pas chuter. Mesdames et messieurs, ça a été une vidéo un peu plus compliquée pour moi. Il fallait revenir sur le passé, sur des choses qu'on a eu à dire, des choses qui n'étaient pas correctes. Il fallait corriger, clarifier des choses. Ça n'a pas été facile pour moi. Et je crois que vous avez compris que c'est une compagnie qui veut nous aider à nous faire de l'argent. Mais elle veut être très précise dans ce qu'elle fait. Ne pas que vous confondiez les choses. OK? Voilà. Prenez soin de vous. Et sachez que nous sommes dans une grande révolution. Quelque chose qui est différent. Qui est un peu à l'image des compagnies comme Facebook. Il y a une application qui est disponible pour chacun de nous. Et donc, est-ce que vous le savez? Crawl One se veut être à la pointe de la technologie. Une affaire 100% mobile, 100% en ligne. On parle même de compagnie de online networking, compagnie en ligne, compagnie de réseau en ligne. Voilà. Et il y a une application. Il y aura aussi un QR code pour même pour parrainer les gens, pour mettre, créer le réseau. Il y a un QR code que bientôt tout le monde pourra utiliser aussi pour enrôler les gens dans ce business vraiment rentable. C'était Lambert Kouassi. J'étais là pour vous apporter des précisions. Vous avez écouté mes premières vidéos. Et quand vous écoutez les nouvelles, vous avez tendance à croire qu'il y a de la confusion ou bien de la contradiction. Non, ce n'est pas de la contradiction. La compagnie Crawl One touche un peu de tout. Touche un peu
du système binaire. Ça tend à croire que c'est du réseau marketing. On parle du parrainage même d'ailleurs. Donc, on parle de, les gens croient que c'est du réseau marketing. Touche un peu d'affiliation. Touche un peu de crowdfunding. Or, dans le crowdfunding, on parle de titres et d'actions. Donc, si on ne fait pas attention, on confond beaucoup de choses. Le fait qu'on ne parraine pas et qu'on gagne l'argent, les gens peuvent penser à l'investissement d'argent. Les gens même ne mettent même pas l'accent sur la formation, alors que c'est une compagnie de formation et de marketing. Mesdames et messieurs, Crowd One est une compagnie de formation et de marketing en ligne. Prenez soin de vous et que Dieu vous garde. Ciao. C'est tout ça, c'est tout, c'est cela, sauf tout ce qu'on peut s'imaginer ailleurs. Ou bien tout ce qu'on peut se dire. Et donc, si on a fait des erreurs, reconnaissons-les. Et cette vidéo vient pour clarifier tout cela. Merci à vous pour votre temps et pour tout ce que vous avez mis en œuvre pour pouvoir écouter jusqu'à la fin. Ciao.